On se retrouve pour la première morning routine sur ma chaîne. Alors, dans la chambre, on n'a pas les téléphones, on fonctionne avec un réveil au petit chant d'oiseau. Si vous écoutez bien, vous l'entendrez. Et oui, bon, voilà, le matin, c'est un petit peu dur des fois de se réveiller. Surtout en ce moment, je dors super mal, mais je sais que voilà, me bouger un petit peu, ça me fait toujours du bien. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais tous les matins ou pratiquement. Donc je commence toujours avec un gratte-langue. Donc c'est un gratte-langue, c'est issu de la tradition ayurvédique et c'est pour enlever toutes les toxines qui sont libérées pendant la nuit et c'est vraiment génial, je fais ça absolument tous les matins. Et si j'ai le nez un peu bouché, que je sens voilà, que j'ai un petit peu du mal à respirer, j'utilise un Neti-pot et je mélange à peu près un tiers d'eau chaude qui sort de la bouilloire avec une petite cuillère à café de sel non traité et 2 tiers d'eau froide et ça doit donner un mélange qui doit être tiède et là vous le mettez dans votre nez, mais je vais pas vous faire la démonstration, je vais vous mettre en description des liens de vidéos qui vous expliquent tout ça. Alors je suis accompagnée souvent par mon chat qui me suit partout dans l'appartement et là je prends ma tenue chouchou de chez Kitiwake et donc ma brassière que j'adore, qu'on a fait en collaboration ensemble. J'ai pas un super grand appartement, donc je suis obligée de un petit peu tout bouger le matin. Et là, j'installe mon tapis chouchou en liège chez Yoga Matata. Voilà, j'aime bien me créer une ambiance toute particulière pour mon yoga, parce que je commence toujours par le yoga. Ma pratique peut vraiment varier, ça peut être 15 minutes le matin, ça peut être une demi-heure, 45 minutes, une heure et quart. Ça dépend du temps que j'ai et de comment je me sens. Et j'adore commencer par déjà retrouver ma respiration et des postures, une posture d'ouverture du cœur, qui je trouve est vraiment super agréable avant de vraiment commencer la journée. Et comme je suis super raide des jambes, la sangle est un indispensable pour moi le matin, voilà, de venir étirer l'arrière des jambes surtout. Parce que vraiment c'est une partie qui est excessivement raide chez moi. Et après j'aime bien voilà ouvrir tranquillement, faire vraiment ce que mon corps me demande, donc j'ai pas de routine qui est exactement la même tous les matins, ça peut varier, mais c'est vrai que j'aime bien commencer allongée et assise au sol tranquillement pour me lever tout doucement. Et je vous conseille vraiment, si vous pratiquez à la maison, de suivre votre intuition parce que votre corps sait ce dont il a besoin. Il y a vraiment un côté, on peut pratiquer le yoga de manière très intuitive en fait. Et c'est ce qui fait bien sûr que votre pratique ne sera pas la même d'un jour sur l'autre. Je trouve que la posture du Shiatatamba est super intéressante parce qu'elle permet de montrer que voilà, il n'y a pas la posture parfaite, c'est la posture qui va à votre corps. En l'occurrence, moi je suis obligée de plier les genoux parce que je ne suis pas assez souple et que j'ai de l'arthrose dans le bas du dos qui fait que je peux pas, c'est compliqué en fait pour moi. Après, j'adore faire des salutations. Donc là, je fais une salutation à la lune et une salutation au soleil. Et je trouve que c'est vraiment parfait pour commencer la pratique ou simplement ne faire que ça. C'est vrai que j'ai pas, comme je vous disais, de routine particulière, mais j'aime bien enchaîner les différents guerriers. Je trouve que c'est super intéressant pour en fait tout le corps. Ça mobilise vraiment tout le corps. Mais encore une fois, ça dépend quand même des jours. Et alors ça, voilà, toutes les postures d'ouverture des hanches qui viennent travailler. Et là, on est sur un exercice de pranayama qui vient vraiment travailler la force et le côté guerrier, parce que c'est la respiration du guerrier, en fait. Et voilà, toujours encore des mouvements un petit peu intuitifs, un peu fluides pour vraiment explorer. Je crois qu'il y a la posture et après vous, comment vous la sentez dans votre corps, encore une fois. Et vous verrez qu'en fonction des jours, il y a des jours où vous pourrez aller plus loin, des jours où vous irez moins loin. Et l'idée est de ne pas juger, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste d'explorer comment est mon corps en fait aujourd'hui. Alors moi j'adore pratiquer en musique, je trouve que ça aide à avoir des mouvements aussi plus fluides, comme si on suivait en fait ce qu'on entend.
et j'aime énormément finir ma pratique de yoga par du yin yoga. Donc c'est des postures qu'on va tenir beaucoup plus longtemps. Là, j'ai volontairement accéléré pour pas que ça dure des heures. Mais c'est des postures où le but étant que comme on tient longtemps les postures, on vient toucher en fait ce qu'on appelle les fascias et les ligaments qui ont besoin d'au moins 2 minutes de repos des muscles pour aller venir les accéder. Et on est vraiment sur un relâchement en profondeur et moi ça me fait énormément, énormément de bien. Et ça c'est ma version du Shavasana en soutien en fait. Je trouve que ça permet vraiment de se relaxer, c'est hyper hyper agréable. Essayez à la maison si vous avez le matériel. Et alors là, j'enchaîne tous les matins par une pratique, c'est mon sadhana. Donc le sadhana, ça veut dire en fait sa propre pratique. Et je suis une formation avec Sayan, qui est celle prof qui m'a formée au yoga en Australie et qui est une amie aussi. Et l'idée, c'est que en fait, tous les mois, j'ai une pratique qu'elle nous indique en fait et qui change. Tous les mois, on va enchaîner différents kriyas. Donc, c'est des exercices énergétiques qui viennent travailler vraiment en profondeur dans le corps. Et l'idée, c'est que là, je m'y suis engagée à faire ça tous les jours sans exception. Et donc on a des exercices comme vous pouvez le voir qui sont avec beaucoup de respiration et travail sur les chakras, des choses comme ça. Et je finis par une méditation de 20 à 30 minutes. Il faut trouver la posture qui nous convient, ça peut être assis au sol, sur une brique, sur un coussin, voire même allongé. J'ai tendance à méditer sans rien du tout en fait, avec juste un timer, mais il y a des moments où c'est un peu plus difficile dans la vie, quand le mental est un peu plus actif. Je trouve moi j'ai des périodes où au bout de 5 minutes j'en ai vraiment vraiment marre. Et je trouve que pour ça les applications sont vraiment géniales. Et surtout si vous débutez, les méditations guidées peuvent énormément vous aider. Vous avez l'application Seven Mind qui est vraiment géniale. La majorité des méditations sont faites par Jonathan Lehman, qui a une voix qui est très agréable pour la méditation. Et là, ils ont créé ce qu'ils appellent un stage sur la routine du matin et des méditations en fait qui vous aideront à bien commencer la journée. Je les trouve super parce qu'elles sont pas très longues, elles font entre 9 et 10 minutes. Vous avez 7 méditations pour un jour de chaque jour de la semaine. Et je trouve que c'est vraiment une super façon de nous accompagner. Et vous avez aussi sur cette application différents types de méditations. Il n'y a pas que celle-là, vous avez des méditations individuelles, d'autres types de stages, donc à vous de trouver ce dont vous avez besoin. Mais c'est vrai que là, j'aime énormément la manière qu'a Jonathan de guider ses méditations. Donc je vais vous laisser avec un petit extrait. Aujourd'hui, nous allons faire une visualisation pour amener de la présence à chacune des actions de la journée. Un peu comme un skieur professionnel visualise le tracé qui l'attend avant une descente pour optimiser ses virages, le fait de visualiser notre journée à venir nous permet de nous préparer à l'aborder au mieux, et ainsi d'être présent à chacun des petits moments qui nous attendent sur le chemin. Et après, je file à la douche. Alors là, c'est une découverte, c'est le shampoing solide Umai, qui est un shampoing sans huile essentielle, qui est absolument génial. Il sent tellement bon l'amande qu'on pourrait passer sa journée le nez dessus. Il mousse super bien, la compo est parfaite, il est conçu pour tous les types de cheveux et il les laisse vraiment tout doux et légers. Bref, c'est un vrai coup de cœur. Et après, évidemment, j'utilise un savon sur grasse à ponifier à froid. Après, j'enchaîne avec de l'eau florale pour venir enlever le calcaire. Et là, en ce moment, c'était de l'eau de mélisse et je l'applique avec les cotons réutilisables Koufou. Et je mets un petit sérum, un sérum chouchou de chez Caretix. J'adore leurs deux sérums, en fait. J'aime beaucoup la texture qui est entre la crème et le gel qui est très frais. Et alors là, c'est mes coups de cœur du moment, c'est la marque On the Wild Side qui est faite à base de plantes sauvages. Et la crème sent délicieusement bon et j'aime bien l'accompagner avec une goutte de leur huile qui, elle, sent
excessivement bon aussi. C'est vraiment une super combinaison. J'adore vraiment les valeurs de cette marque et c'est d'une grande efficacité. Donc je vous recommande vraiment avec des flaconnages en verre en plus. Enfin, voilà, c'est absolument un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Et je finis ma petite routine du matin par un jus. Alors c'est pas tous les matins, mais quand même assez souvent. Donc là, on part sur un jus un peu détox avec du kale, du céleri, du citron et une pomme quand même pour avoir un petit goût un tout petit peu sucré. Parce que sinon ça, moi j'ai vraiment du mal. Parce qu'en fait, on dit que dans les jus, il faut avoir au minimum un tiers de fruits et deux tiers de légumes. Moi, j'avais oublié, j'aime bien rajouter du gingembre. Voilà, je trouve que c'est une plante anti-inflammatoire qui est géniale. Là, je fais mon jus avec un nouvel extracteur que j'ai depuis pas très longtemps, depuis que j'ai cassé l'ancien en fait. Il est de la marque Cuvigs et il m'a changé la vie par rapport à mon ancien Moulinex qui était une horreur à nettoyer, bruyant et en fait beaucoup moins puissant en termes d'extraction. Par exemple, avec le céleri, ça bloquait toujours et je devais le nettoyer 2-3 fois pendant que je faisais le jus, donc c'était pas du tout pratique. Alors que celui-là, il est vraiment génial, il est hyper puissant et il est facile à nettoyer. Avec son espèce de brosse là, en 3 minutes, c'est réglé, donc moi je suis amoureuse de mon extracteur. Alors je sais pas vous, mais alors cette couleur, tout pour bien commencer la journée. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est voilà, un petit nouveau format, je me dis que je pourrais essayer de faire une night routine un de ces quatre. Et sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.